Shalom, shalom à tous. Nous allons démarrer dans la prière. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur nos vies. Nous sommes là ce soir pour continuer dans notre enseignement que nous avons commencé la fois dernière. Alléluia, sur la fondation spirituelle. Nous allons prier, commencer. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Nous avons passé un moment hier dans la prière, un moment formidable. Et je me suis réveillé ce matin, j'étais dans la joie. Parce que après le direct hier, il y a des choses qui se sont passées avec moi que je ne peux même pas vous expliquer. Tout ce que je peux vous dire, gardez la foi et persévérez dans la prière. Tout par la prière et rien sans la prière. Tout par la prière. Jésus nous a donné cette recommandation dans Luc chapitre 18 à partir du verset 1. La Bible dit, il a donné une parabole pour leur montrer qu'il faut prier et ne point se décourager. Alléluia. Il donna une parabole pour leur montrer qu'il faut prier et ne point se décourager. J'ai une bonne nouvelle pour toi. À partir du 1er décembre, nous allons commencer les cultes en ligne en attendant de trouver la salle, parce que jusque-là, c'est un peu difficile de trouver une salle pour vraiment commencer le ministère, commencer par prêcher l'évangile, que les gens, vraiment, les âmes soient prises en compte, qu'on prie pour les gens, que les gens soient délivrés, que le Seigneur opère dans leur vie. Vous savez, c'est beau d'être en ligne, de toucher des milliers de personnes en direct dans toutes les nations. Je sais que vous me suivez d'un peu partout, que cela soit en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique. Mais il est aussi bon qu'on ait une chaleur humaine, qu'on se retrouve dans une salle pour que vraiment la fraternité soit là. Mais en le faisant également, nous n'allons pas perdre de vue nos frères qui sont à l'étranger, ceux qui nous suivent. Il y aura toujours des directs. Même peut-être que le calendrier va changer, je n'en sais rien. Mais les cultes seront en direct à partir du 1er décembre. Et nous serons sur presque toutes les plateformes, à savoir Facebook, TikTok, Twitter, Instagram. Alléluia. Donc, retenez cela et priez par rapport à cela. Et nous avons besoin également des équipements. Et je prie les personnes de bonne volonté à nous aider à pouvoir acheter ces instruments pour que vraiment cette date que nous avons donnée, nous nous sommes donné cette date pour vraiment commencer le culte en direct à partir du 1er décembre et passer le réveillon ensemble par la grâce de Dieu. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Alléluia. Donc, que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur nos vies et que le Seigneur nous amène à aller de loin toujours, de victoire en victoire, de succès en succès et de progrès en progrès. Alléluia. Parce que le meilleur reste à venir. Nous n'allons pas baisser les bras. Alléluia. Le meilleur reste à venir. Nous allons prier, commencer. Père de grâce, nous voulons te bénir. Nous voulons te dire merci pour ce temps que nous voulons passer en ta présence. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te disons infiniment merci pour ta grâce, pour le souffle de vie que tu nous accordes aujourd'hui. Seigneur, d'être encore dans ta présence. La Bible déclare qu'une heure dans ta présence vaut mieux que mille ailleurs. Alors Seigneur, si nous avons laissé nos lits, nos désirs, si nous avons laissé, Seigneur Dieu, nos penchants, si nous avons laissé la télé et tous les programmes que nous avons, et que ce soir nous sommes là, Seigneur Dieu de gloire, pendant que d'autres, Seigneur Dieu, peut-être regardent, Seigneur, un match, d'autres vraiment disent non, je vais aller dans la présence de Dieu, parce que c'est ta destinée qui compte. Alléluia. Alors ce soir, je prie que la main de Dieu soit sur ta vie, et que tout ce qui est distraction soit banni de ta demeure, de ce lieu, de cette plateforme, et que Christ ressuscité puisse te toucher dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la main de Dieu soit sur toi, et que ce que le Seigneur a préparé pour toi ce soir, que tu puisses vraiment entrer dans cette profondeur, que tu puisses entrer dans cette révélation, que tu passes le temps avec lui pour ta destinée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu puisses vraiment prier pour que, à cause de toi, qu'une loi soit changée dans une nation, dans ta ville, pour que les merveilles de Dieu s'accomplissent dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes les enfants de Dieu, et la Bible dit que le pouvoir change de main. Le pouvoir est dans notre main. Nous avons l'autorité que Christ nous a donnée par sa mort et sa résurrection pour transformer la vie, pour transformer les choses. Si notre évangile ne peut pas toucher les gens, si notre évangile ne peut pas avertir les gens, si notre évangile ne peut pas amener les gens à Christ, si notre évangile est incapable
d'apporter la solution. C'est que nous sommes des vendeurs d'illusions. Que Dieu épargne de nous d'être des vendeurs d'illusions, mais de travailler pour le royaume des cieux, même au prix de notre vie, pour que Christ seul soit glorifié. Père, ce soir, je prie pour chaque personne connectée. Je prie pour ceux qui seront connectés, que tu étends ta main sur leur vie, sur leur famille, sur leurs parents, sur nos enfants, sur chaque aspect de nos vies, afin que là où l'esprit de mort s'est soulevé en ces derniers temps, en ces derniers jours, pendant que nous tendons vers la fin de l'année, pour opérer dans nos vies, pour opérer dans nos finances, pour opérer dans nos greniers, pour opérer dans la vie de nos enfants, pour opérer, Seigneur, dans nos vies professionnelles, pour écouter le Seigneur de quelqu'un sur la terre, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous arrêtons, Seigneur, la course de l'esprit de mort dans nos familles respectives, dans la vie de nos enfants, dans nos vies, dans nos activités, dans nos ministères, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La bradashata. Que ce soit, Christ puisse toucher la vie de quelqu'un. Que ce soit, ta vie soit touchée. Que ce soit, tu vois Christ dans ta vie. Je prie pour toi ce soir. Que l'ennemi ne puisse jamais te surprendre. Et que Dieu te révèle le plan. Vous savez, j'aime beaucoup Dieu. Et Dieu nous aime beaucoup. À telle enseigne que ce que l'ennemi prépare, même dans l'ombre, Dieu révèle cela. Je prie que Dieu te révèle ce que tes ennemis sont en train de préparer. Ils n'auront jamais raison sur toi dans le nom de Jésus. Jamais raison sur toi. Mais ce soir, que la puissance du feu du Saint-Esprit t'embrase pendant que nous allons commencer cet enseignement et nous allons rentrer dans la prière. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels, tes oreilles spirituelles, que tu vois les merveilles de Dieu, que tu entends les merveilles de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un est-il malade? Quelqu'un est-il dans la douleur, dans la souffrance? Que cette personne prie. Alors je prie pour toi que la main de Dieu te touche. La distance n'est pas une barrière. Que l'onction de la guérison, la puissance qui a été Christ des morts, te libère de tout joug de maladie, de tout joug de problème, de tout joug de combat dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sache une chose, ils te feront la guerre, mais ils ne pourront jamais te vaincre. Je te donne cette parole, c'est une assurance. Ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, dans Jérémie 1:19. Il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Et mieux encore, il a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Quelle assurance. Quelle assurance, bien-aimé. Peu importe ce que se passe dans ta vie. Peu importe ce que se passe dans chaque aspect de ta vie. Peu importe ce que tu ne vois ou que tu ne vois pas. Garde la foi. Jésus-Christ est assis sur son trône. Il est avec toi. Ne crains absolument rien. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous fasse du bien ce soir. Qu'il nous amène à rentrer dans la profondeur de sa parole. Et que Christ ressuscité soit glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Shalom à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Ce soir, nous allons voir la partie numéro 2. Nous allons continuer dans notre enseignement que nous avons vu la fois dernière, à savoir la fondation spirituelle. Nous avons expliqué ce que c'est qu'une fondation. Et lorsqu'on parle de la fondation, on parle de l'origine de quelque chose. On parle de l'origine d'une société, on parle de l'origine d'une famille. Alléluia. Qu'on le veuille ou pas, il y a des gens qui nous ont précédés, nos ancêtres. On n'était pas peut-être là, on n'a pas su ce qui s'est passé. Si je dis maintenant, il y a 2000 ans, là, l'arbre... sur lequel tu as été taillé, tu ne peux pas savoir. C'est vrai, tu connais tes parents, peut-être tes grands-parents, arrière-grands-parents, mais après eux, qui tu connais? Est-ce que tu connais depuis la fondation du monde de quelle branche es-tu sorti? Personne ne connaît. Mais il y a des choses qui ont été faites avant nous. Et Christ, gloire soit rendue à Jésus-Christ, qui a payé le prix à la croix pour nous libérer de la mort, de l'enfer, de nos vaines manières de vivre et pour nous faire asseoir à table avec lui. Parce que la Bible dit, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ce langage de Paul. Quand Paul dit, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Paul voudrait simplement dire que nous régnons, alléluia, tel que Dieu nous voit dans le ciel. En esprit, c'est ce règne-là que Dieu veut voir sur la terre. Mais est-ce que nous rayons tel que Dieu le veut, tel que Dieu nous voit? Alléluia. C'est pourquoi Jésus pouvait nous dire, lorsque les disciples lui ont demandé, apprends-nous à prier,
Il dit, dites notre Père qui est aux cieux. Ce n'est pas une récitation, mais c'est un canevas de prière. Et il va dire que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Quelle volonté? La volonté de nous voir régner, comme Paul a eu cette révélation pour dire, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Alléluia. Et si nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ, nous devons demeurer dans la position dominante. Nous sommes appelés. L'homme a été créé pour dominer, pour régner. Alors je prie pour toi ce soir, là où tu as perdu le règne, que Christ te donne ce règne maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mais avant de régner, tu dois connaître ton identité en Christ, qui tu es en Christ. Tu ne dois pas être un flemmard, tu ne dois pas être un peureux. Alléluia. N'aie pas peur, Christ a déjà tout fait. Alléluia. Amen. Donc, nous continuons dans notre thème, à savoir la fondation spirituelle. Et nous avons eu à dire la fois dernière, je vais essayer de faire un bref résumé. Nous avons eu à dire la fois dernière que lorsque vous regardez une maison, on ne voit pas la fondation. Peu importe la beauté de cette maison, il y a quelque chose qui a été passé parce qu'il y a des fondations, il y a des semelles qui ont été posées, il y a des chaînages, il y a tellement de choses. Et il y a beaucoup de personnes qui entrent en jeu pour bâtir une maison. Et quand cette maison est terminée, on la regarde et dit « Waouh, c'est une belle maison !» Mais la fondation souffre, la fondation porte la charge. Mais personne ne voit cela. De même chose, aujourd'hui tu es en train de souffrir, tu es en train de payer le prix. Mais lorsque Dieu va te lever, ta fondation, c'est des souffrances, c'est ce sur quoi tu t'es bâti en Christ Jésus pour être élevé. Mais les gens ne verront pas cela. Alléluia. Les gens ne verront pas cela. Ils verront autre chose. Les gens ne verront pas cela. Ils verront autre chose que ce que Dieu a prévu pour toi. Et ma prière pour toi ce soir, que le Seigneur te donne la force d'aller jusqu'au bout. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Christ te donne la force d'aller jusqu'au bout. Alléluia. Que tu ne t'arrêtes pas en chemin. Que tu ne t'arrêtes pas en chemin. Alors va jusqu'au bout. Reçois l'onction pour aller jusqu'au bout. Alléluia. Nous devons prier. Parce que lorsque nous sommes nés dans une famille, il y a tellement de choses que nous ne comprenons pas. Il y a tellement de choses qui se sont passées avant nous. Et que lorsque nous venons à Christ maintenant, nous devons utiliser le sang que Christ a versé, l'œuvre de rédemption, pour renverser ses autels, pour renverser ses forteresses, pour renverser toutes ces choses qui nous empêchent de réussir. Le combat est là. Et ça, il ne faut pas se tromper. Qui va me dire qu'il n'a jamais été attaqué depuis qu'il est venu à Christ? Et tu me dis que depuis que tu as connu Christ, tu n'as pas eu des attaques. Mon ami, je vais te demander si réellement c'est Christ que tu as confessé ou bien tu es rentré dans un couvent. Parce que le salut te mettra en conflit direct avec Satan. Puisque tu as reçu Christ, il va te montrer que lui, il est là avant toi. Et c'est vrai, il existait avant nous. J'étais un ange créé. Il a été déchu. Excusez-moi. Alléluia. Et nous devons comprendre que le but de Satan, c'était de nous empêcher de voir la gloire de Dieu. Lui, il avait déjà goûté à cette gloire. N'oublions pas, il était au ciel. Il était un chérubin protecteur, aux ailes déployées. D'après Ézéchiel chapitre 28. Alléluia. Mais c'est parce qu'il a vu la gloire. Comme il a été déchu, il s'est dit, waouh, ok. Maintenant, les hommes que tu as créés là, les hommes que tu as créés, qui sont déçus de moi là, tu veux les mener la vie difficile. Je prie pour toi, que le Seigneur te donne la force, la capacité physique et spirituelle d'aller plus loin, dans la marche avec lui, afin que tu ne puisses pas trébucher. Même si tu tombes, lève-toi et continue la marche avec le Seigneur. Alléluia. Pardon. Continue la marche avec le Seigneur. Ne laisse pas la situation te dire le contraire. La fondation est vraiment importante. Et je crois qu'à partir de nous, lorsque nous avons connu Christ, nous devons tout faire pour que nos familles, pour que les enfants que nous aurons demain, pour que notre postérité puisse marcher dans les voies du Seigneur, puisse marcher sur le Seigneur qui est la fondation. Et c'est pourquoi, la fois dernière, nous avons vu dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 24, verset 27, qu'il y a deux personnes qui ont bâti des maisons. Il y a une qui a bâti sur le roc.
L'autre s'est dit, bon, écoute, je n'ai pas besoin de Jésus, c'est quoi cette histoire? Bon, il a bâti sa vie. Le problème n'est pas les matériaux. Le problème n'est pas l'architecture. Mais le problème, c'est la fondation. C'est le fondement. C'est pourquoi la Bible nous dit clairement dans Somme, notre texte de base, Somme chapitre 11, verset 3, lorsque les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Lorsque les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Alléluia. Et il est important de revoir les fondements. Parce que si tu ne vois pas les fondements, en chemin, si tu bâtis sur un faux fondement, si tu bâtis sur une fausse fondation, et tu te dis que ça va aller, Christ ne peut jamais bâtir sur ta fondation. C'est pourquoi lorsque tu viens à Christ, il y a des douleurs qui commencent. Et tu entends souvent les gens qui disent que quand j'étais dans le monde, tout allait bien pour moi. Je faisais mes affaires, j'avais l'argent, les filles couraient derrière moi, les hommes couraient derrière moi. Maintenant, je suis en Christ, je suis célibataire, je suis célibataire, je me bats. Il n'y a même personne. Parce que lorsque tu es venu à Christ, on t'a dit de porter de longues robes. On t'a dit de couvrir la tête jusqu'aux oreilles. On t'a dit de ne pas faire les cheveux. Et le gars te regarde et dit, mais c'est quoi? Tu es devenu ma soeur dans les couvents ou bien on ne comprend rien. On a pris les bonnes habitudes. Les frères qui étaient dans le monde, qui avaient la church, dans le Seigneur, ils ont tout oublié. Donc c'est la church avec la Bible. Ma soeur, Dieu, l'ange de Dieu m'est apparu. Et il m'a dit, c'est toi ma femme. La soeur même te regarde et dit, mais avec ça là, on va aller où? On va aller où? Je suis d'accord qu'il faut s'habiller de façon décente. Il faut laisser Christ te bâtir. Les douleurs ne manqueront pas. Parce que Christ va prendre le temps de te dépouiller, d'enlever les fausses fondations que tu avais bâties. Et c'est ça qui fait mal. Et tu ne comprends rien. Tu te demandes, mais Seigneur, c'est quoi? D'autres ne peuvent même pas supporter. Ils sont obligés de bâtir. Ils sont obligés de quitter la foi parce que je te dis, mais je connais un homme. Il était venu dans la foi. Il était content au début. Mais quand les problèmes ont commencé, alors je vous parle, il a quitté la foi. Ça veut dire que cet homme n'était pas vraiment appelé. Parce que ceux qui sont vraiment appelés, qui sont dignes fils du royaume de Dieu, peu importe ce qui se passe, ils savent que leur maison, leur vie, c'est-à-dire leur vie, est bâtie sur Jésus-Christ, qui est la fondation, qui est la pierre angulaire que les bâtisseurs ont rejetée. La Bible dit que lorsque le vent a soufflé, le torrent est venu, la tempête a soufflé, mais cette maison est devenue solide. Pourquoi? À cause de Christ qui est la fondation. Mais l'autre, qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'il a bâti sur le sable, c'est-à-dire il a bâti cette maison, il n'a pas eu de foi pour lui, il n'a pas besoin de Christ, il a l'argent. Mais la Bible dit lorsque la tempête souffle, lorsque le vent est venu, lorsque les torrents sont arrivés, cette maison, sa condition est pire. Est pire. Alléluia. Donc fais très attention. Comment tu bâtis ta vie en Christ? Parce que la façon dont tu bâtis ta vie en Christ, cette façon va amener ta postérité à posséder le pays, à demeurer dans la foi. Il y a beaucoup de personnes, nos ancêtres ont sacrifié leur progéniture. Ils ont sacrifié leur postérité. Et il y a d'autres qui sont venus à Christ. Et c'est là que Dieu a montré réellement, clairement, que cette fondation n'était pas la bonne. Je me rappelle de cet homme de Dieu, un apôtre, un Français que Dieu utilise plus souvent dans la délivrance. Lorsque cet homme a commencé son ministère, rien n'allait dans sa vie. Un jour, pendant qu'il priait, il a des visions. Il se voit dans les années 1400. Et Dieu lui dit, tu es issu. Et c'était où? C'était au Pérou. Donc, ses ancêtres étaient des Péruviens. Et à l'époque, ils ont massacré, ils ont sacrifié, ils ont bâti des hôtels avec le sang humain. Et ça, il réclame son ministère. Ça réclamait sa vie. Ça réclamait tout. Parce qu'il était quelqu'un de très colérique. Il ne comprenait rien. Et quand Dieu lui a révélé cela, il a demandé pardon à Dieu pour les péchés de ses ancêtres. Il a utilisé le sang de Jésus pour prier. Et c'est là que le Seigneur l'a restauré. Alléluia. Lorsque la fondation
est mal faite, que votre vie n'est pas bâtie sur Christ Jésus, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont vous réclamer. Peut-être que ton grand-père avait déjà, ou ton arrière-grand-père avait déjà 10 femmes. Et toi-même en Christ, tu peux tomber bêtement dedans. Je me rappelle de ce frère. Son père, à lui, son grand-père était des polygames. Était polygame. Son père aussi était polygame. Et on lui a dit, mon frère, prends la peine de détruire jusqu'à la fondation ces choses. Sinon, ça va te réclamer. Il dit, non, moi, je suis en Christ. Mais alors, je vous parle. Et tous ces deux frères, ils ont été polygames. Ils sont du moins polygames aujourd'hui. Le danger de la polygamie, ça ouvre des portes à la sorcellerie. Ça commence par décimer la famille. C'est un combat de gladiateur. Je vais sauvegarder l'héritage de mon fils, de mes enfants. Et chaque femme maintenant commence par se lever pour chercher le plus grand marabout. Pour chercher comment opérer, pour sauvegarder, comment tuer l'autre. Faites très attention. Ne tombez pas dans les pièges de l'ennemi. Ne tombez pas. Ou du moins, ne tombons pas dans les pièges de l'ennemi. Lorsque nous parlons de la fondation, nous parlons du début de quelque chose. Et toi et moi, on n'était pas là quand nos parents existaient. Nous sommes venus dans le monde pour voir. Et nous avons grandi, nous avons fréquenté. Mais lorsque nous sommes venus à Christ, il y a des choses que nous devons vraiment poser la question. Mais pourquoi telle chose se répète dans ma famille? Pourquoi telle chose se répète dans ma famille? Pourquoi telle chose se répète dans ma famille? Alléluia. Pourquoi telle chose se répète dans ma famille? Je me rappelle, à un moment donné, j'ai pris le temps de poser la question à Dieu par rapport à des choses qui sont pères dans ma famille, par rapport aux divinités de ma famille. D'où est-ce que mon nom est sorti? C'est des choses qui retardent parfois les gens, mais si vous ne comprenez pas, vous allez passer à côté. Et j'ai commencé par prier, et j'ai compris que dans ma famille, mes ancêtres adoraient un serpent, le python. Et je me suis levé dans la prière. Parce que dans notre famille, on avait un totem, on ne pouvait pas manger, comment on appelle, le poisson. On ne pouvait pas manger la cellule. Si tu manges la cellule, tu vas commencer par avoir des taches, des boutons sur tout ton corps, du visage jusqu'aux pieds. Je me rappelle quand j'étais jeune, un jour j'avais mangé, on mangeait même pas le mouton. Et moi qui aimais la viande quand j'étais très jeune, un jour un ami m'avait invité, c'était le mouton, mais comme c'était tellement doux, j'ai mangé et j'ai commencé par avoir des taches. J'ai dit à ma maman, mais c'est quoi? Elle m'a dit, ah ben tu as mangé quelque chose qui est interdit dans la famille. Elle dit, ah bon. Et quand je suis venu à Christ, j'ai pris le temps de tailler ces choses. J'ai taillé, détruit tout cela. Et j'ai commencé par manger les interdits. Je n'avais rien. Au début, j'avais peur. J'ai dit, ah, si ça arrivait maintenant, comment je vais faire? Et un jour, je disais à ma maman que, mais c'est que moi je mange la cellule, je mange tout ce que poisson chat là. Je peux manger maintenant. Mais jusqu'à ce jour, rien ne s'est passé dans ma vie. Mais il reste une seule chose que je n'avais pas renversée. Je ne comprenais pas que ça. C'est-à-dire, ça combattait ma destinée. C'était le serpent. Ma vie était un chaos. Un jour, le Seigneur m'a dit, lève-toi. Tu as brisé l'autel qui nourrit ce serpent. Le jour où je suis rentré dans la prière. C'est pourquoi je vous dis, quand vous rentrez dans un combat, cherchez, priez, quand vous avez reçu la révélation, n'entrez pas dans les combats tout de suite. Demandez à Dieu comment vous allez faire. Si Dieu vous envoie vers un homme de Dieu pour vous orienter, allez vers cet homme de Dieu ou cette servante de Dieu pour qu'il prie ou bien qu'elle prie avec vous. Mais ce jour-là, Dieu m'a dit, enseigne sur les autels. Il dit, mais j'ai jamais eu de pareil message, comment je vais faire? Il a commencé par, le Saint-Esprit m'a fait asseoir, il a commencé par m'enseigner. Il a donné l'enseignement le premier jour, deuxième jour, troisième jour, je suis rentré à la maison. Le matin, je ne pouvais plus me lever. Je ne pouvais plus me lever. J'avais mal partout. Parce que j'ai terrassé un Goliath. Donc, il voulait vraiment me tuer. Moi, je suis têtu. Hein. Satan sait que très bien, lui-même sait très bien que je suis un os dur qu'on ne peut pas avaler. Un os dur qu'on ne peut pas avaler. Il s'est levé contre moi. Oui, le serpent s'est levé contre moi.
le combat était dur. Je ne pouvais pas manger. Pendant moi 2 semaines, je buvais seulement l'eau et citron. C'est-à-dire l'eau de citron. Je mettais citron dans l'eau. Je ne pouvais pas. À la rigueur, je mettais sirop de menthe pour juste changer le goût. Rien n'entrait dans ma gorge. Rien n'entrait dans ma gorge. Les médecins, ils ne comprenaient même pas ce qui se passait avec moi. Je ne pouvais même pas arrêter debout 10 secondes. Je ne pouvais même pas marcher 2 mètres de mon lit au frigo. Je ne pouvais pas. Je pouvais faire 5 minutes. L'attaque était vraiment... Quand je vous parle de quelque chose, j'ai vécu des choses. J'ai fait 4 bilans de santé en une semaine. Je dis, bon, j'ai touché quelque chose. Lorsque vous rentrez dans un combat de gladiateur, c'est-à-dire que c'est corps à corps, vous devez recevoir des coups. Là, vous saurez que vous avez touché quelque chose. Mais j'avais la foi. Et c'est là que j'ai découvert la puissance dans la prière qui dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Avant, je recitais cela. Mais j'ai compris. Je dis la vie, de prier la vie, la boisson pour de la langue. Je ne mourrai pas, je vivrai. J'ai commencé par prier, par parler à mon âme parce que je voyais ma photo publiée sur Facebook. Les gens écrivaient rip, rip, rip. Je dis moi rip. Vous avez menti. Je ne mourrai pas. 4 bilans de santé. On m'a demandé, le 4e bilan de santé, je suis rentré à la maison. Puisque je ne mangeais pas, j'étais faible. Je n'avais pas la force de prier. Je prie pour toi ce soir. Je prie sincèrement pour toi ce soir. Que la puissance du Saint-Esprit te touche. Délie ta langue pendant que je parle. Toi qui ne pries pas en langue, que tu reçois maintenant le baptême du Saint-Esprit au nom de Jésus. La distance n'est pas une barrière. Il y a une puissance dans le parler en langue. Un jour, je parlais en langue parce que je n'avais pas la force de prier. Je priais seulement en langue. Je renversais les fondements de ma famille. Parce que j'étais comme une libation. Je dois payer le prix pour libérer ma famille. Mes frères, mes soeurs, rien n'allait dans leur vie. J'étais le seul qui était un peu avancé. Mais financièrement encore, tout était chaotique. Et quand le Seigneur m'a dit, lève-toi, va dans ce pays, la France. J'ai commencé par prier également pour libérer le voyage de mes frères, là où il doit être aujourd'hui. Mes soeurs, là où il doit être aujourd'hui pour être à l'aise. Bataille dans la prière. Une soirée, vers 17h, 19h par là, j'étais à genoux dans mon canapé en train de prier en langue. Pendant que je priais, ma porte s'ouvre. Je vois les lumières qui jaillissaient au plafond, du pied au plafond. Je regarde, c'est le Seigneur. Il marchait d'un pas majestueux. Un vrai, c'est-à-dire quand on parle de roi. Mon ami, je prie que Dieu ouvre tes yeux, que tu vois comment cet homme marche. Ce n'est pas ce que nous faisons, ouya ouya. Ça, c'est un roi. Majesté. Sa présence avait rempli ma chambre. Je le regardais, je ne pouvais pas parler. Son visage était comme du soleil. Une lumière pas possible. Je ne pouvais rien dire. Tout ce que je sentais dans mon esprit, je disais qu'il me touche, que je reçoive la guérison. Mais il s'est approché de moi. Il ne m'a pas touché. Il a commencé par me parler de mon ministère. Et il m'a dit ceci, tu feras exactement ce que je t'ai dit de faire. Je répondais seulement. Il m'a dit, tu dois prier. La femme qui se faisait passer pour Dieu au Bénin, elle doit être dépouillée de son pouvoir. Il dit, là, tu as menti. Et dans ma santé là, dans mon état là, moi je vais prier. Seigneur, tu veux ma mort ou quoi? Mieux vaut que je monte en même temps. J'ai dit quoi? Dans quelle prière? Je suis même pas encore, je n'arrive même pas à prier. Je priais seulement en langue. Je n'arrive même pas à manger. Faible, 2 semaines sans manger. Il m'a regardé. Il a continué son chemin. C'est là que j'ai redressé la tête. Et il m'a regardé. Il m'a dit, ce serait une perte pour moi si je te perdais. Il est passé à travers le mur, il est parti. Ce même jour, en espace de quelques minutes, l'appétit est venu. J'ai commencé par manger. Je suis allé faire le bilan. On m'a dit, monsieur, vous êtes en bonne santé. Il n'y a plus rien. J'ai dit, victoire. Je dis, victoire. Crie dans ta maison, victoire. La mort ne sera pas ton partage. Tout fondement qui te réclame, qui n'est pas le fondement de Christ. Que Christ te libère de ses fondements au nom de Jésus. La Bible dit, lorsque les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il?
Lève-toi dans la prière. Tu veux voir la gloire de Dieu? Paie le prix dans la prière. Il n'y a pas autre chose. C'est la prière. Fléchis tes genoux. Fléchis tes genoux. Qui te menace? Qui a dit que tu ne vas pas te marier? Qui a dit que dans votre famille c'est comme ça? Qui a dit que personne ne doit voyager? Qui veut t'empêcher d'être sur la terre de tes bénédictions? Vous savez, la bénédiction est liée à un lieu géographique. C'est pourquoi Dieu pouvait dire à Abraham, va-t'en de ton pays. Dieu pouvait bénir Abraham là, non? Notre père, dans la foi. Mais il dit, va dans un endroit, dans un autre pays, que je te montrerai. Je prie pour toi. Tout démon territorial qui combat ta destinée, qui ne veut pas que tu puisses réussir, que tu puisses posséder tes possessions, dans ta terre promise, chacun de nous a une terre promise. Dieu t'a certainement appelé à aller posséder un territoire donné pour entrer dans ta destinée. Et là, l'ennemi peut te combattre. L'ennemi te combat. Je me rappelle de cette sœur, quand elle m'avait connu, par le biais d'un frère, sa vie était bloquée. Elle a été au bac 7 fois. Pourquoi? Parce que le fondement de sa famille le réclamait. Et je peux vous garantir que les 7 fois, elle a toujours été admise. Mais on voit échec dans l'ordinateur. On ne comprenait rien. Elle s'est levée dans la prière avec sa maman. La 7e fois, elle était admise. Et là maintenant, l'office du bac a remarqué que madame a passé 7 bacs. Madame a été admise 7 fois. On l'a arrêtée. On dit, madame, vous avez passé le bac 7 fois. C'est quoi votre projet? C'est quoi votre projet? Elle dit non. 6 fois j'ai été échoué. Ça c'est la 7e fois. Ils ont dit non. Ils lui ont montré les preuves. Et ils lui ont dit non. C'est parce que certainement il faisait passer pour quelqu'un ou bien on ne comprenait rien. Elle a payé plus de 10 millions. Sa maman était obligée de vendre une parcelle. Elle a eu le bac maintenant. Elle commence la formation. Elle finit. Avoir le boulot c'était impossible. Le boulot c'était impossible. J'ai dit mais c'est quoi cette histoire? On me l'a amené. Vous savez ce qui s'est passé? Juste parce que cette sœur, quand je l'ai vue, j'ai dit, écoute ma sœur, je ne sais pas ce que tu as, mais je vois la colère en toi. La colère était la porte par laquelle, le fondement que tu as posé, tu as laissé l'ennemi te détruire. Pour la simple raison que, comme elle se disait, elle devait se marier avec un homme et pas le cesse avant le mariage. Mais le gars, le frère était en train de lui mettre la pression, elle a refusé. Sa maman avait de l'argent, donc elle faisait aussi ses petits business. Elle a acheté une moto au frère. Et le frère prend la moto maintenant pour aller chercher d'autres femmes. Et quand elle a appris cela, elle a ravi la moto. Elle était en colère de ce qu'elle a passé le temps inutilement avec cet homme. Il ne voulait pas pardonner. Il dit, écoute, moi je ne savais pas. J'ai dit, tu es en colère contre quelqu'un. Tu dois pardonner cette personne. Et c'est là qu'il me raconta l'histoire. Il dit, si tu ne pardonnes pas, ce fondement ne sera pas renversé. Et c'est là, elle a commencé par pleurer. Elle a demandé pardon à Dieu. Moi, j'ai prié pour elle. Pendant que je priais pour elle, elle était tombée. Et Dieu lui donnait une vision. Dans la vision, elle s'est vue dans la boue. 2 ans sont allés la chercher dans la boue. On l'a amenée vers une chute d'eau. On a commencé par la nettoyer. Après, là, elle voit la lumière. J'ai dit, ça reste. Et puis après, j'étais là, je priais avec elle. J'ai dit, mais regarde-moi. Elle dit, je ne peux pas vous regarder. J'ai dit, pourquoi? Elle me disait que je vois la fumée dans vos yeux. J'ai dit, ça ne commence pas à venir. Tu vas être délivré. Le Seigneur a délivré ce jour. Dans la même semaine, je lui ai dit, va déposer les dossiers. Là où tu as déposé les dossiers, elle a déposé les dossiers dans une école. Elle a été nommée directrice adjointe. J'ai dit, ce n'est pas fini. Dieu veut te faire voyager. Parce que ce n'est pas le béni ta terre de destinée. Dieu va t'envoyer aux États-Unis. Effectivement, le gouvernement a tout fait pour qu'elle aille aux États-Unis. Vous savez ce qui s'est passé? Puisque ce qui était derrière toujours elle. Vous savez, l'ennemi combat toujours. Le jour où elle allait hériter son passeport, le jour où elle a eu le visa, ce jour-là, elle a fait accident. Elle a eu la jambe cassée. Levez-vous dans la prière. Priez pour vous-même. Priez pour vos parents. Priez pour vos enfants. Parce que le diable ne vous aime pas. Il n'y a pas l'amour en lui pour qu'il puisse nous aimer. Il y a un seul qui nous a aimés.
qui allait à la croix pour nous, Jésus-Christ de Nazareth. Elle fait accident. On reste dans la prière jusqu'à ce qu'elle quitte l'hôpital. Et on devait même remplacer la remplacer. Parce que le but, c'est que l'empêcher. On est resté en prière et dit, écoute ma fille, tu sortiras de l'hôpital, tu vas rentrer dans l'avion et partir. Alors je vous parlais aux États-Unis aujourd'hui. Elle doit faire 10 ans là-bas, selon le programme. Alléluia. Confiez-vous en Christ. Confiez-vous en Christ. Et bâtissez une bonne fondation sur Christ. Que Christ soit votre fondation pour des générations montantes, pour votre postérité. Ce que les parents ont vécu, ça doit s'arrêter sur toi. Ça ne peut plus continuer. Si tu es dans la douleur, dans la souffrance, prie. Lève-toi dans la prière. Quels sont ces fondements qui te réclament? Quelles sont ces fondations qui t'empêchent de réussir? Quels sont ces fondements qui veulent être un blocage pour toi? Quels sont ces fondements? Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier. Je sais une chose. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour accompagner les autres. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour que tu écoutes seulement les témoins des autres, mais que tu aies ton propre témoignage. Alléluia. Tu as assez entendu les témoins des autres. Dieu m'a fait ceci. Et toi-même, tu te poses la question. C'est quand mon tour? Réjouis-toi avec ceux qui donnent les témoignages et tu verras. Dieu, comme le dirait l'autre, Dieu aussi va fendre ton bois. Alléluia. Un jour le Seigneur agira dans ta vie. Garde la foi. Persévère. Ta vie est combattue parce que tu as une grande destinée. Ta vie est combattue parce que tu as une grande destinée. Ta famille a été combattue. Mais toi, tu es le Joseph de ta famille. Tu es l'Esther de ta famille pour faire sortir ta famille de cette situation. Pour amener ta famille au large. Pour amener ta famille dans la terre promise. Comme Joseph l'a fait, comme Esther l'a fait. Alléluia. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Renverse les fondements qui réclament ta famille. Renverse les fondements qui empêchent les membres de ta famille de réussir dans tel ou tel domaine. Dans d'autres familles, les gens meurent vite. Il n'atteint même pas l'âge de 50 ans ou 60 ans. Tu attends qu'ils ont été fauchés par une maladie. Ou c'est une mort subite à tel âge. Je prie pour toi et je déclare dans ta vie tout fondement qui a été bâti et qui réclame les membres de ta famille à 60 ans. Et toi aussi, tu as déjà 58 ans. Et chaque fois, c'est la même chose. Tu te dis, mais ce sera le tour de qui? Ne crains absolument rien. Ce n'est pas ton partage. Ce n'est pas mon partage au nom de Jésus. Je me rappelle d'une histoire drôle. On dit chaque fois dans un village, quand quelqu'un meurt et qu'on part l'enterrer, il y a le féticheur qui donne le nom du prochain. Le prochain qui doit partir. Et pendant ce temps, vous savez, les enfants, à l'époque, les enfants ne doivent pas aller au cimetière, tout ça là. Mais il y avait un petit garçon malin là, qui était allé se cacher dans les buissons quelque part. Et il regardait ce que les grands faisaient au cimetière. Et le moment était arrivé de rester dans le silence. Et c'est le nom qui sort, c'est la personne. Et l'enfant ne commence pas à crier. Vieux Kabirou! Le vieux dit, mais... Quand le vieux a regardé, il a vu que c'est un enfant. Il dit, moi, il t'a fait quoi? Moi, il t'a fait quoi? Il pensait que c'était lui le prochain, quoi. Il n'a commencé pas à pleurer. Tu ne mourras pas avant ton temps au nom de Jésus. L'autel qui réclame ta vie, qui réclame ton nom, qui réclame tes enfants, sur tout tel est renversé ce soir au nom de Jésus.
Tu ne mourras pas avant ton temps, bien-aimé. Garde la foi. Persévère dans la prière. Persévère dans la prière. Ne laisse pas l'ennemi t'intimider. Le combat sera rude. Mais Jésus nous a fait une promesse. Je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Peu importe ce que tu subis en ce moment, laisse-moi te dire, Jésus-Christ demeure la fondation. Dans Ésaïe chapitre 28, verset 16, que nous pouvons lire rapidement. Ésaïe 28, verset 16, nous dit ceci. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Il dit qu'il a posé, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Cette pierre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La pierre angulaire, la principale, que les bâtisseurs ont rejetée, est devenue la principale. Et la Bible dit, celui qui mettra, qui prendra pour appui cette pierre, n'aura point hâte de fuir. Tu as trop couru devant l'ennemi. Il est temps maintenant que les choses changent. Que ce soit toi qui poursuis tes ennemis. C'est toi qui fais les sons toute la nuit. On te pourchasse. On te pourchasse. Et tu cours. Et puis tu te lèves le matin. Tu es essoufflé. Tu dis, après tu ne commences pas à parler. Labrados. Vos maudia. On n'a pas dit que vous voulez me tuer. Et pourtant tu as couru. Le fort ne court pas. Alléluia. Lève-toi dans la prière. Ce n'est pas à toi de prendre la tangente devant eux. C'est à eux de prendre la tangente devant toi. Je prie pour toi ce soir que tout ce qui te pourchasse, que cette nuit, que tu commences par les pourchasser au nom de Jésus. Quand ils vont venir là, ils sauront qu'ils ont rencontré garçon. Ils sauront qu'ils ont rencontré garçon. Tout dépend de toi. Alléluia. Tout dépend de toi, bien-aimé. Lève-toi dans la prière. Prépare-toi dans la prière. Renverse les fondements. Cette mauvaise fondation qui t'empêche d'avancer. Un jour, un homme est allé voir un homme de Dieu. Et lorsque l'homme de Dieu l'a vu, l'homme de Dieu voulait prier pour lui. Il dit, je vais prier pour toi. Il dit, non. Vos histoires, moi, je ne crois pas. L'homme de Dieu lui dit, ok, c'est pas grave. Laisse-moi, je vais prier. Il dit, non, vos histoires de Jésus, moi, je ne crois pas. Quand l'homme de Dieu dit, le temps de dire, Père, dans le nom de Jésus, le J n'est pas encore sorti. Bim, le gars est tombé. C'est 30 minutes plus tard qu'il s'est retrouvé. Il a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je veux savoir ce qui s'est passé. Cet homme avait un esprit de dette sur sa vie. Un esprit dangereux qui le conduit d'en dette en dette. Il gagne de l'argent, mais l'argent disparaît. Il y a des gens, vous êtes dans un territoire donné. Les gens gagnent l'argent, mais ils ne foutent rien avec ça. Vous ne savez même pas sur quoi la ville a été bâtie. Vous devez prier pour que Dieu vous révèle les choses et que Dieu vous révèle la stratégie à utiliser dans la prière. Quand vous entendez ici à Paris, on parle de porte de Pantin, porte de Versailles, porte de ceci. La porte, c'est une entrée dans une ville, dans la vie de quelqu'un. Tout chaque territoire a une porte. On parle de la porte de Samarie en Israël. Alléluia. Vous devez vraiment vous lever dans la prière. Ne laissez pas les choses empirer avant de commencer par dire, Seigneur, où es-tu? Malabrarushata. Rekalabarus. Nous allons prier. J'ai eu le temps de préparer quelques requêtes de prière. Nous allons prier. Supaleri aki. Kabaru Shabaindu. Il est vraiment important de comprendre la fondation sur laquelle votre famille a été bâtie. Ce qui fait à ce qu'aujourd'hui les gens souffrent sans connaître, sans comprendre ce qui se passe dans leur vie. Dans certaines familles, les gens ne se marient pas. Ou quand ils se marient, se divorcent ou bien ils ont des problèmes.
Alléluia. Et vous répétez ce qui se passe dans votre famille. Chaque année, c'est la même chose. Il y a ce que j'appelle des phénomènes cycliques. Ça se répète dans les mêmes années. Pardon, dans les mêmes dates, j'allais dire. Chaque année, ça se répète dans les mêmes dates. Et c'est 1er janvier, donc 1er janvier prochain, il y a toujours quelque chose. Chaque année, il y a un mort dans la famille de quelqu'un. Vous célébrez toujours la mort. Dans quelques jours, on aura la fête de Toussaint. On aura la fête des morts. Voilà aussi des conneries. Et nous tendons vers la fin de l'année. C'est l'esprit de mort que l'on envoie pour attaquer les ministères, pour attaquer les mariages, pour attaquer les foyers, pour attaquer les enfants. Les enfants qui sont devenus rebelles à leurs parents. Enfants qui devaient respecter ses parents ne respectent plus ses parents. Il y a un fondement quelque part qui est renversé. Et toi juste, que ferait-il? Tu dois te lever dans la prière pour rebâtir maintenant ta famille sur Christ Jésus. Vas-tu laisser les choses continuer ainsi ou tu vas vraiment te lever dans la prière? Lorsque les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Aujourd'hui, je suis fier de ce que Dieu a fait de moi. Je sais que je ne suis pas encore allé loin, mais il y a des choses que j'ai renversées dans ma famille et qui n'aura même plus de pouvoir sur ma vie ni sur mes enfants. C'est fini ça. Et ce n'est pas de l'orgueil, je vous dis la vérité. Et vous devez faire la même chose. Levez-vous dans la prière. Le diable ne vous fera pas cadeau. Parce que son désir, c'est de vous détruire, de vous empêcher de posséder vos possessions. Je suis sûr aujourd'hui que chaque croyant en Christ, il n'aime pas encore entrer même dans 5%, mais dans 2% des bénédictions que Dieu lui a donné au travers de l'œuvre de rédemption. Ça va continuer jusqu'à quand? Es-tu malade? Insiste dans la prière. Il y a une réclamation. Il y a un fondement qui te réclame. Ne te tais point. Parce que il y a des choses qui nécessitent que tu cries. D'autres, tu dois persévérer dans la prière. Il y a des fondements qui doivent être ébranlés. Mais choisis des heures stratégiques de prière. Je recevais un témoin d'une de mes filles tout à l'heure qui me disait, papa, hier quelqu'un est venu me réveiller. Elle a senti une main sur sa jambe. Parce qu'on lui réveille, on lui dit, ne dors pas, réveille-toi. Elle a regardé l'heure, c'est que c'est l'heure de la prière. Et pourtant, elle a passé une journée très, très fatigante. Quand il y a des choses comme ça, ne résiste pas. Commence par prier en langue. Commence par labraro, chata labaros. Même si tu somnoles un peu, tu vas voir que la chose va te gifler, lève-toi. J'ai déjà vécu ça. L'Esprit de Dieu te gifle, lève-toi et prie. Ou on te pique. C'est comme tu sens que moustique m'a piqué ou bien c'est comme si on a pris une aiguille pour te piquer. Lève-toi et prie, move. Tu dis, eh oui, je vais me lever et prier. La pradocha, rababa, kirababo, shabaino. Prie. Ah oui, prie. Ah oui, prie, oh, ah oui, prie. Il va donc prier, c'est armé, mais ça finit. Alléluia, nous allons prier. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu. Malabraboche. Que tout embargo satanique, démoniaque, de la sorcellerie, engagé contre ta famille, c'est-à-dire contre ma famille, contre mes enfants, contre mon ministère, dans chaque domaine de ta vie, que cela soit anéanti ce soir, au nom suprême de Jésus-Christ. Prie. Le kababa, chata kaba, mante karo shaba indo, ikala baro su paleria, manta kabarosha, yekende likuba shaba indo, mante karababa shata, rika mande baros, malabrada shaba, malakaba babosha, tout un bago satanique sur la vie de quelqu'un connecté ce soir, sur nos familles, sur nos enfants. Seigneur, sois anéanti par la puissance du feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit. Père, mets-les en déroute au nom puissant de Jésus-Christ. Les kababarobo santa capo, les brekete kalabaros, kabaro shababa. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je vais prier pour quelqu'un. Cette personne veut acheter une maison et tu es en train de penser comment ça va être. Tu n'as pas l'apport. Laisse-moi te dire, Jésus-Christ peut tout pour toi. Christ peut tout pour toi. Je vais prier pour toi. Je ne sais pas pourquoi je sens cela.
Tu veux payer une maison? Labraro Shata. Yekeria Kindalabarus. Rikabababosha. Mante Karosha. Labraro Shata. Mante Karosh. Tu vas encore prier. Tout embargo satanique. Qu'on a déjà envoyé. Sur tes finances, contre tes finances, contre ta vie professionnelle, tu as attaqué dans ton boulot. Tu as attaqué, tu n'as même pas de boulot aujourd'hui. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que ses enfants travaillent. Alléluia. Dieu veut que ses enfants travaillent, bien-aimés. Alors élève ta voix. Déclare que tout embargo satanique contre ta destinée, contre tes finances, contre ta vie professionnelle, au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus détruit totalement cela. Prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Malakababosha. Reketekelarababosupandebra. Paix dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout embargo satanique contre la vie de quelqu'un. Tout embargo satanique contre la vie professionnelle de quelqu'un. Tout embargo satanique contre la famille de quelqu'un. Contre les finances de quelqu'un. Par le sang de Jésus, nous détruisons leurs œuvres. Nous les mettons en déroute. Nous détruisons, nous consumons leurs œuvres par le feu du Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La baro shabababa. Malaka baros. Yese kendeli kaba. Mante baro shababa. Rakabababosha. Rakamante. Likabarosha. La bradashata. Rikabababosh. Supale barosh. Zupale riaki. Mante karababosha. La brado shabayindo, rekamante karo shabaye, la brado sutande, la mante kahusha, la bababo shata, le kabaro shabayindo, supande brada shata. Ezekiel, amen, amen. Que Dieu te bénisse. Bien aimé, tu vas encore prier. Tu vas dire à Dieu que tout embargo satanique qui a été décrété contre ta vie de prière. Pour t'affaiblir dans la prière. Parfois, tu te lèves pour prier. Tu ne sais même pas quoi dire. Tu es tellement si fatigué. Quand c'est comme ça, il faut savoir que c'est un signe que l'ennemi veut t'attaquer. Et il commence par ta vie de prière, par ta soupir. Ne te laisse pas. Lève-toi. Même si tu ne sais pas quoi dire, si c'est te rend grâce. Si tu ne parles pas langue, chante seulement. Commence par le louer. Tu vas voir le feu des autres va t'enflammer. Alléluia. Seigneur, tout embargo démoniaque, satanique, ou satanico-démoniaque de sorcellerie, de marabouts, de féticheurs, qui a été décrété, qui a été engagé contre ta vie de prière, pour m'affaiblir, pour t'affaiblir. Feu du Saint-Esprit, consume cet embargo, mets-les en déroute au nom de Jésus-Christ. Rakababa boshata, le prekete keba, ma le brado shata kaba, ramasu palaraba boshi, keraba untalia kibarus, zotore keraba hindo, tout embargo de sorcellerie, embargo satanico démoniaque, des hommes mystiques, Seigneur contre ma vie de prière, qui veut m'empêcher de prier, dans le nom puissant de Jésus, qui veut détruire ma vie de prière, Saint-Esprit, que le feu de Dieu et le souffle de Dieu tombe sur eux maintenant, soit consumé, détruit, paralysé par le sang de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus. Rakababouche. Les Kabaros. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore prier. Tu vas dire à Dieu. Toute malédiction qui est liée à l'idolâtrie. Vous savez, lorsque nous lisons la Bible dans Exode chapitre 20, à partir du verset 5, nous allons voir ceci. Dieu dit quelque chose de très important. Je voudrais quand même qu'on lise avant de continuer à prier. Alléluia. Exode 20. Je vais prendre à partir du verset 2.
Je prends partie de verset 2. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. L'Égypte ici, c'est le monde. C'est une maison de servitude où Satan se servait de nous, où il nous malmenait, il nous maltraitait. Amen. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Verset 4. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alléluia. Dieu dit ici que ceux qui sont des idolâtres, Dieu punit leur iniquité sur les enfants jusqu'à 3e et 4e génération, et il fait grâce jusqu'à 1000 générations à ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Quelqu'un me suit? Il y a une malédiction qui est liée à l'idolâtrie. C'est pourquoi, quand tu viens à Christ, tu dois demander pardon à l'idolâtrie que tes parents, tes ancêtres ont commis, surtout qui ne connaissent pas Christ. Il y a une malédiction qui te réclame. Une malédiction parce que ta famille a adoré une divinité. Et tu as été vendu à cette divinité qui te réclame aujourd'hui. Et tu ne comprends même rien de ce qui se passe dans ta vie. Il y a des personnes qui se sont mariées. Peut-être dans ta famille ça s'est passé. Peut-être que tu n'étais pas l'aîné. Mais l'aîné, il est né, il est mort. Deuxième est mort. Troisième est mort. Quatrième, cinquième, c'est toi le sixième. Et tu es devenu l'aîné. Il y a une malédiction qui est attachée même aux aînés. Je vais revenir sur un enseignement sur ça. La malédiction des aînés. Et nous allons prier. Il y a aussi la malédiction des cadets ou du dernier. Et c'est biblique ce que je dis. Et nous allons prier fortement par rapport à ça. Alléluia. Tu vas dire à Dieu, toute malédiction liée à l'idolâtrie dans ta famille, qui a jeté la malédiction sur ta famille, l'idolâtrie qui a jeté la malédiction dans ta famille. Seigneur, que cette malédiction soit anéantie maintenant. Par le sang de Jésus. Prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Shabarababos, uparike abarus, ikandabrarusha, le barabasutalaba, mante karusha baindo, yekete kelaraba, ramasu paleria, giraba usha, bantalabarobosu paleria ki, karusha baindo. La malédiction qui est liée à l'idolâtrie, Seigneur, dans ma famille, soit renversée maintenant, soit détruit totalement dans le nom de Jésus. Père, je te confie ma famille. Je te confie, Seigneur, Dieu, mes frères et soeurs, les enfants. Je confie chaque membre de ma famille, Seigneur. Soit leur fondation, soit leur fondement au nom puissant de Jésus. Shababa Rabasuta. Lekete Kelarabarus. Suprare Kalabarush. Yekete Kelabarus. Ikandabrarus Shabaindo. Lekamande Brarusha. Rakaka Poporaba. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas dire à Dieu toute malédiction qui est liée aux aînés de la famille. Vous savez, dans certaines familles, vous allez voir les aînés, leur vie ne progresse pas. Je ne dis pas que c'est dans toutes les familles. Mais lorsque la famille est vraiment attaquée, vous allez voir que c'est le dernier qui a l'argent et qui, si ce dernier même n'a pas le Seigneur, il se moque même de ses aînés. Et souvent comme ça, vous allez voir le gars, il est l'aîné dans sa famille, mais lorsqu'il s'agit des réunions, on lui dit non, ton petit frère doit venir d'abord. Le petit frère devient grand frère et c'est lui qui doit venir d'abord pour qu'on puisse faire la réunion. Je brise cette malédiction sur ta vie dans le nom de Jésus. Tu ne vendras pas ton droit d'aînesse. Vous voyez, à cause de l'argent, le monde considère ce qu'on ne doit pas considérer. Le monde élève ce qu'on ne doit pas élever. Et c'est le grand frère qui devient maintenant le boy. Et le petit frère devient grand frère. Qu'on appelle communément chez moi, Benefofo Daho. Tout le monde attend. Le grand frère même, elle est l'aîné de la famille. Elle a,
Mais à la cérémonie, c'est à lui on dit d'aller chercher les boissons, d'aller tuer les moutons. Et lui-même, il est content parce qu'il y a le djinn. Son petit frère va lui donner le djinn. Mais si réellement il connaissait le Seigneur, il n'allait pas vendre son droit d'aînesse. Il n'allait pas se comporter comme ça. Et c'est une malédiction dans certaines familles. Que ton petit frère, l'argent, je n'ai rien contre. Mais qui est le respect. Je prie que Dieu te bénisse. Parce que toi, tu es l'aîné de ta famille. Il y a une malédiction qui est sur la tête des aînés. Nous avons vu le cas récemment dans Genèse chapitre 49, à partir du verset 1. La Bible dit, vous voyez son fondement. Quel fondement cet homme peut produire? Quel fondement cet homme peut avoir? Ruben, le premier-né, toi qui as la force de mes prémices, la vigueur de mes prémices, impétueux comme des eaux, mais tu n'auras pas la prééminence. Pourquoi? Parce qu'il a couché avec Zilpa, la maman de ses autres frères, qui est l'une des servantes des femmes de son père. Couché. Le père a su cela, mais il n'a rien dit. Jacob a attendu le jour de bénédiction, le partage de bénédiction. Et il dit, c'est vrai, c'est toi mon aîné. Les prémices de ma vigueur, impétueux comme des eaux. Mais tu n'auras pas la prééminence parce que tu as souillé ma couche. Dis-moi cette malédiction. Même Jésus-Christ, quand il voulait descendre dans ce monde, il n'est pas rentré. Pas l'aîné. Il a choisi Judas. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'on a vendu Joseph, c'est Judas qui a dit, ne le tuez pas. Vendons-le. Il préfère qu'il soit vendu parce que les frères voulaient le tuer. Vendons-le. Et qui a vendu Jésus? Judas. Pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Ça te dit quelque chose? Christ en venant est venu par Judas. Judas est un jeune lion. C'est pourquoi on dit de Jésus qu'il est le lion de la tribu de Judas. Amen. Jésus est le lion de la tribu de Judas. La bradacha. Rekamande bradosh. Supaleria kimande. Rakababosha. Kirababo shatalibarus. Kirababo santa kaporia baindo. Bien aimé, tu vas encore prier. Tu vas encore prier. Tu vas dire à Dieu, toute malédiction liée aux aînés. Liée au premier-né. Liée au cadet, liée au dernier. Que cela soit brisé. Si tu es l'aîné, si tu es le deuxième ou le dernier, il y a une malédiction. Prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Kabababa, Shabarababo Sota. Le Kendalabaro Shabababo She. Kabaru Santa Yakende Li Mante Karu Shababa Mante Karu Shabayindo Yese Keli Kamande Barush Zoya Kendali Akibarush Zaya Kendeli Kabarush Male Kabababosha Rakabababoshata Rekabarababoshata Le Brekete Kelaba Mante Karu Shabayindo Le kamande bradosh, zotore ke la baindo, malabrada bababa, rekabababosha, kerama su paleria, mante karosha baindo, le brekete ke la rababosha, ramaseta kaba, rakabababosh, zupaleria ki, mante karosha balaba, zaya kende likaba, kabausha talaba, la kunta ya kenda. Seigneur, toute malédiction, Seigneur, liée au premier-né, liée au cadet, au dernier, que cette malédiction soit brisée au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas dire à Dieu, toute fondation démoniaque qui réclame les destinées des membres de ta famille, il y a des fondements dans des familles. Le père est passé par là. Ton grand-père est passé par là.
ton arrière-grand-père passait par là. Et toi-même aujourd'hui, tu veux passer par là. C'est un fondement de réclamation. Ça dit que ça ne peut pas être autrement. On te limite. Et tu es chrétien aujourd'hui, tu regardes, c'est les mêmes choses qui se répètent. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Toute fondation démoniaque, fondation de sorcellerie, qui réclame la destinée des membres de ta famille, que cela soit anéanti au nom suprême de Jésus-Christ. Déclare que toi là, pour toi ce serait différent. Dis à Dieu que ton cas est différent. Tu es enfant de Dieu selon Jean chapitre 1, versets 12 à 13. Et réclame maintenant ta bénédiction. La kababosh, rekamande brarosh, kerabasuta, la barababosh, kemande brarosh, zotore kerabaindo, le kupari akenda, la mande brarosh, zotore kerababa, rakabababosh, kabarosh. Seigneur, toute fondation démoniaque qui réclame la destinée des membres de ma famille, qui a limité ma famille à quelque chose, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, à cause de l'œuvre que Christ accomplit à sauver la croix, et à cause de ta parole dans Jean chapitre 1, le verset 12 à 13, la Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu, non pas de la volonté de la chair, non pas la volonté du sang, non pas la volonté de l'homme, mais de l'Esprit de Dieu. Alors je réclame, Seigneur, tout ce que tu m'as donné au travers de l'œuvre de rédemption de Christ, et qu'aucune limitation dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Je rentrerai pleinement dans ma destinée prophétique par l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Je déclare qu'il en soit ainsi pour mes bien-aimés connectés. Je déclare qu'il en soit ainsi pour nos enfants. Je déclare qu'il en soit ainsi pour chaque membre de nos familles. Nous quittons maintenant le joug de la pauvreté, de la misère. Nous quittons le joug maintenant, Seigneur, de la condamnation, parce que Christ nous a libérés par son œuvre à la croix. Dans le nom puissant de Jésus. La bababa. Rakabababosh. Kirababoshata. Mandebradoshata laba. Lekababoshata libarus. Rekamandebradoshata labarus. Gerababosha ba indorobosha. Labradoshata kebarus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore prier. Tu vas encore prier. Tu vas dire à Dieu, je veux que tu répètes ceci avec moi. Et après tu vas prier. C'est un peu long. Je veux que vraiment tu répètes cela. Et tu vas prendre cela après pour prier. Si tu veux, même tu peux l'écrire. Et je veux que chaque matin, chaque soir, vous savez, il y a des choses que vous répétez chaque jour, chaque heure. Ça dépend de votre temps. Pardon. Vous allez voir que ça finira par se manifester dans votre vie. Parce que vous y croyez et vous vous tenez à cela. Amen. La brada chata. Tu vas répéter après moi. Au nom puissant de Jésus. Là où je vais appeler mon nom, toi tu vas appeler ton nom. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on est prêt? Au nom puissant de Jésus-Christ, moi Gutenberg Amoussouablo, je décrète et je déclare par le sang de Jésus, le sang de l'alliance éternelle, que toute fondation négative, tout autel qui parle contre moi, soit anéanti au nom puissant de Jésus. Je répète, au nom puissant de Jésus-Christ, moi, Gutenberg Amoussouablo, là, moi, j'appelle mon nom, toi, tu appelles ton nom. Je décrète et je déclare, par le sang de Jésus, le sang de l'alliance éternelle, c'est une alliance éternelle, que toute fondation négative dans ma famille, tout autel dans ma famille, qui parle contre moi, que l'autel soit dans la famille. Donc, je préfère que tu dises que tout autel. Parce que tu dis la famille, tu vas limiter. Mais il y a ton ennemi qui est en train de combattre. Ton collègue au boulot, ou dans quelqu'un dans le quartier, tu vois. Donc, si tu pries, tu dis seulement ma famille,
l'hôtel même va dire, ah, il ne nous a pas appelé, il a dit seulement à la famille. Mais quand tu dis que toute parole, que toute fondation négative, tout hôtel qui parle contre ma vie, mes enfants, ma santé, mes finances, mes projets, soit anéanti au nom de Jésus. Élève ta voix et prie dans ce sens, dans le nom de Jésus. Chakababaros, au nom puissant de Jésus. Moi, Gutambe Amoussouablo, je déclare et je décrète. Par le sang de Jésus, par le sang de l'Alliance éternelle, que toute fondation négative, tout hôtel qui parle contre ma vie, mes enfants, leurs études, mes projets, mon ministère, mes finances, mes affaires, mes activités, dans le nom puissant de Jésus, ma santé, périsse maintenant au nom de Jésus. Labradacha, Rekalabaros, Supradekeabarosh, Lakamandebra, Zotorekelaba, Labababosh, Rekamande, Sabarobo Santa Capo, Lekandebradosha, Zupaleria Kiba, Malabradosha Takaba, Rekamandebarushata, Lebaraba, Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare, je décrète que toute fondation négative, tout hôtel qui parle contre moi, dans le nom puissant de Jésus, paix, par le feu, le souffle du Saint-Esprit, que cela soit totalement anéanti, par le sang de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, je consume toute parole négative. Seigneur, qui opère contre ma destinée, qui opère contre ma vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Labradashata. Rekalabarus. Et s'il y a des questions par rapport à cet enseignement, s'il n'y a pas de questions, alors, c'est mon livre qui est sorti depuis quelques mois déjà. C'est en vente sur Amazon.fr, Briser les chaînes de malédiction. C'est en format broché et en format e-book. Vous pouvez commander. Et c'est déjà présent en Côte d'Ivoire, présent au Bénin, présent au Togo, présent au Sénégal. Je ne sais pas pourquoi pour le Cameroun met du temps, mais je crois que cette semaine je vais régler ça parce que je devais avoir la suite, mais quand j'appelle, je n'ai pas de suite. Ça doit être livré depuis, mais bon, Dieu fait grâce. Je crois que cette semaine, ça va être quelque chose. Amen pour le Cameroun. Donc voilà, que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Labradashata, Kebaru, Santa Kaporia. Alléluia, que le Seigneur Dieu nous bénisse. S'il n'y a pas de questions, nous allons prier. Merci à tous ceux qui m'envoient des cadeaux, que Dieu vous bénisse. Merci. Ce livre comporte 20 chapitres et j'ai expliqué beaucoup de choses dedans. Il y a comment prier contre l'esprit de la sorcellerie, il y a comment prier contre l'esprit de retard, comment prier contre les démons territoriaux, comment prier contre le joug de célibat, pourquoi tu n'es pas marié, pourquoi les gens ne sont pas dans ta famille. J'ai expliqué beaucoup de choses. Il y a des versets de prière, il y a des requêtes de prière, j'allais dire. Il y a des requêtes de prière derrière chaque chapitre. Les esprits de mari et femme de nuit, tu souffres tellement de ça, on a tellement prié peut-être pour toi, tu ne comprends rien, ça continue. Achète ce livre, ça va te faire du bien. Ça va vraiment se faire du bien à prier par rapport à cela. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur nos vies. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur nos vies. Nous allons prier. Je prie pour toi qui es en train de me suivre en ce moment. Je prie pour toi qui es en train de me suivre en ce moment. Que cette semaine soit une semaine de bénédiction pour toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que tout fondement dans ta vie qui n'est pas le fondement de Christ soit brisé au nom de Jésus. La Bible déclare dans Psaume chapitre 11, verset 3, lorsque les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Le juste va se lever dans la prière. Lorsque nous parlons de fondation, nous parlons de l'origine de quelque chose, nous parlons du début de quelque chose, d'une famille, d'une société, tu
n'étais pas là quand tes ancêtres étaient là. Tu ne sais pas ce que tes ancêtres ont fait. Je prie pour toi en ce jour. Peu importe l'heure à laquelle tu es en train de me suivre. Peu importe tes fuseaux horaires. Que la main de Dieu repose sur toi cette semaine. Et pendant que nous tendons vers la fin de l'année, que la main de Dieu repose sur ta famille, sur tes parents, sur tes frères, sur tes soeurs, sur tes enfants. Et que tout ce que l'ennemi a préparé, tout esprit de mort, d'accident, d'attaque, d'envoûtement, de sorcellerie, d'échec, de non-accomplissement, pour t'empêcher de rentrer dans ta destinée prophétique, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que tout cela soit avorté maintenant au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la main de Dieu puisse te conduire dans ta destinée, que cette semaine soit une semaine de bénédiction pour toi, que cette semaine soit une semaine agréable pour toi. Que cette semaine, que tu sois au bon endroit, au bon moment, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Je sais qu'il y a un témoignage qui t'entend cette semaine. Que Dieu guide tes pas, que Dieu t'envoie des corbeaux comme autant d'Élie pour te nourrir. Quand je parle des corbeaux aujourd'hui, je ne parle pas de l'animal, je parle des connecteurs divins, des personnes que Dieu a préparées pour t'aider dans tes projets, dans ton ministère, dans telle affaire, dans ta vie, des personnes pour prier avec toi, des personnes qui vont comprendre ta situation pour prier avec toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare en tant que prophète de l'Éternel que le ciel de Dieu soit ouvert sur toi en cette semaine. Tu ne rateras pas les opportunités que Dieu a préparées pour toi. Tu ne rateras aucune opportunité que Dieu a préparée pour toi en cette semaine. Que la main de Dieu soit sur toi. Et que sa grâce soit papa dans ta vie dans le nom de Jésus. Écoute-moi bien. Tu vas recevoir des virements que tu ne t'y attendais pas. En cette saison, tu recevras des virements. Et je sais que tu viendras témoigner. Je suis en train de voir le ciel te faire le virement. Je crois au miracle financier. J'ai prié pour une dame une fois à Nantes. Nantes ou Orléans, je ne me rappelle plus de la ville. Cette femme avait des dettes. Elle n'avait rien à son compte. Dieu m'a dit, prie pour ses finances. J'ai prié. Le lendemain, elle a reçu un virement de 2000 euros. Elle a voulu m'envoyer de l'argent. Je lui ai dit non. Dieu m'a témoin. Je lui ai dit non. Vous avez besoin de Christ. Vous avez besoin d'être délivré. Venez sur Paris. Elle m'a dit, elle va venir. Et comme j'ai refusé l'argent, je ne l'ai plus jamais revu. Je n'ai même plus eu de ses nouvelles. Je prie que Dieu te visite financièrement cette saison. En cette semaine que Dieu te visite. Mais il y a une chose que je vais te dire. Accroche-toi à Jésus-Christ. Ne t'accroche pas juste à l'argent, à la bénédiction. Mais accroche-toi à la source de bénédiction. Jésus-Christ, la source de bénédiction. Passe une excellente soirée. Passe une excellente semaine. Que Dieu te bénisse. Et que sa grâce repose sur toi. Si Christ ne revenait pas, nous allons nous retrouver mardi prochain sur TikTok. Que Dieu te bénisse. Shalom chez toi.